apôtres, alors, qui sont ici, alors vous pourrez les voir d'un peu plus près, qui sont dans des mouvements assez dynamiques, contrairement à certaines représentations. Ils sont très statiques, comme voilà. Le salon de l'eau, par voilà. Exemple. Ils sont placés, mais vraiment, c'est des figures. Voilà. Là, on est vraiment dans un travail autour du mouvement. Certains ils discutent. Il se passe des tas de trucs. Il se passe des choses. On sent qu'il se passe des choses entre eux, que c'est vivant. Ils sont autour de la parole, ils enseignent. Voilà. Et donc, du coup, l'idée, c'était... alors, c'était, ça s'est plus développé avec Paul et puis Dominique, mais toujours dans ces idées de découpe, de projection. Et Dominique a fait... tout un tas de dessins et de réinterprétations aussi, mais alors elle a une machine magique qui fait des petites découpes en petits formats, et donc ça a été des tests, des tests et des tests, en disant ça y est, j'en ai un, j'en ai deux, j'en ai trois, j'en ai dix. Et pour au départ les placer dans des boîtes avec l'idée de faire une projection et les faire asseoir là sur... L'idée c'est qu'ils soient ici, là, dans les stages. Autour de nous. Et puis l'idée a évolué, il y avait déjà les lanternes qui étaient ici, et avec donc le mobilier, les éléments présents, au bout d'un moment, il y a eu cette idée de les placer dans les lanternes avec une petite bougie. Donc ils sont présents de façon miniature et discrète. Et quand hier soir le public est arrivé, avec l'outil magique téléphone portable lumière, la projection donc sur le fond brun de bois, du coup bah, la présence de chaque apôtre assis en bonne place. L'autre idée, c'était de faire de matérialiser une ligne depuis l'entrée avec le feu, donc sous forme de voilage que certains ont contourné, que d'autres ont traversé, et avec donc différents éléments placés pour arriver jusque à l'autel avec la couronne qui était placée en bas, et puis l'autre lanterne, voilà, au milieu, donc centré. Et si on se place en fait au centre du cœur, on a une vision comme ça, linéaire. C'est jusqu'à la gloire. Voilà. Et qui rejaillit sur la chapelle à la dernière. On regarde plus le photo. Parce qu'on voit la Vierge. Est-ce que vous avez des questions, des...